Osons. Très bien, osons. On continue avec Pierre Bertrand. Qui est Pierre Bertrand? Pierre Bertrand, c'est pas un saxo. Il est absolument saxophoniste, il est flûtiste aussi, il est arrangeur, il est jazzman. Il avait fondé dans les années 90 le Paris Jazz Big Band avec Nicolas Folmer. Ben voilà. Il a fait plein d'arrangements, par exemple pour Aznavour, pour Nougaro. Le gars est talentueux, il fait des albums c'est tout seul. C'est un chef aussi. De bande. C'est un chef de bande. Il est tellement gentil. Son talent n'égale que sa gentillesse. Pierre Bertrand, donc, regardez sur cette couverture, on voit Colors, voilà. Il s'est associé à Jean-Antoine Hiérault, le peintre, et ils ont fait un album ensemble qui s'appelle donc Colors. C'est-à-dire que sur ce principe de tableau comme ça, avec des couleurs, avec des tourbillons, eh bien, il a mis la musique qui correspond à la peinture et Jean-Antoine, pardon, a fait la peinture qui correspond à la musique. Vous voyez ce mélange un peu, ouais. Ça fait un album incroyable, c'est-à-dire guidé, regardez comme ça à l'intérieur, guidé par des très fresques. Sympa. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez écouter le morceau et regarder, et en même temps, vous dites, ah bah oui, bien sûr, ça fait ça. Oui, parce que la musique, c'est impalpable. Et là, d'un seul coup, c'est rendre la musique palpable. Je trouve cette idée vachement bien. Oui, je vais envoyer un extrait. Arrêtez de râler. C'est hyper élégant, ouais, franchement. Très élégant. Jazz, très élégant. Oui, j'ai oublié de dire que c'est du jazz, mais ça me semblait tellement évident. Voilà. Vous avez été surpris.